quel c'est ça qui affiché yo. Et moi que yo dis plutôt vivre avec adversaire réel ou plutôt vivre avec ennemi réel ou que ou vivre avec ennemi présumé ou avec adversaire présumé ou. Et nous même nous parer justement pour nous chita avec même monde qui parer mais nous, mais seulement et seulement dans l'intérêt de ce pays. Pas un sacrifice nous pas faire pour Haïti. D'ailleurs moi même moi toujours crois que moi même le côté zim pas gagne adversaire, pas gagne ennemi. OK, nous pas gagne ennemi, nous pas gagne adversaire. Un monde qui pensait que lui et les adversaires matin débat, les adversaires le goût désir. Non, nous même nous pas gagne adversaire. D'ailleurs, nous ba tête nous des défis. Et si on vit dans la vie, ou pas ba tête tout défi. Si on vit dans la vie, ou pas ba tête tout objectif. Pas qu'on ken goto parler. Faut capable mesurer donc dimension monde koya. Et pas jamais limiter rêve. Le rêve n'a pas de limite. Pas jamais limiter rêve. Le rêve n'a pas de limite. Et soit vivre aujourd'hui ou pas challenge c'est tout. Et mon pas jamais connaître qui est sur. Madame monsieur, laissez-moi vous faire une confidence ce matin à l'émission Matin Débat. Il y a donc la Coupe du monde qui commencera le 14 juin 2018 et jusqu'au 15 juillet 2018. Déjà, ouais, que gagnons focus. Toutes les stations de radio et de télévision, yo dis, y a gardé qui s'est capable de jouer comme gâteau, comme part du gâteau, en matière de sponsorisation, en matière de subvention, en matière de publicité pour la Coupe du Monde. C'est sûr qu'on va le pays à camper du 14 juin au 15 juillet, où va le que politique va le baisser. Madame, monsieur, à cette émission, Matin Débat, nous baillons tête, nous, y ont défi. À cette émission Matin Débat, nous battons tête nous un défi pour cette saison sportive, madame, monsieur. Matin Débat a fait chaque jour de 10h du matin à 1h de l'après-midi pendant mondial. Nous battons tête nous défi ça. Nous battons tête nous challenge ça. C'est vrai que peuple haïtien va le focus sur question match football. C'est vrai que peuple haïtien va le focus sur question Brésil Argentine. Et bien moi-même le co-désir. Bien matin à toutes. Esaïe César, nous battons tête nous défi ça. Matin Débat a réalisé chaque jour, bon Dieu mettez, pendant période mondiale là, pendant période Coupe du Monde là, de 10h du matin à 1h de l'après-midi. Et nous battons tête nous comme mission et objectif. Même si papa ici n'est pas dans la question football, eh bien, on va voir que les balles étaient accrochées à l'émission Matin Débat. Parce que, je dis à Yon Neba pour rendre compte, c'est que papa ici, il a besoin qu'on ait sa capacité dans le pays. Il est toujours intéressé qu'on ait sa capacité dans le pays d'Haïti. Et nous voulons. Ah, c'est moi qui voulais. Et nous voulons ça. Ou va loin que c'est ça qui va le faire. Et nous baillons tête, nous mission ça. Mondial là, pas déranger Matin Débat. En aucun cas. La Coupe du Monde va pas déranger Matin Débat. Même qualité, quantité, écoute que nous avons, nous avons même qualité, même quantité. Et ça, moi-même, nous désirons, nous battons ce match très fort sur ça. Et Zahé César batte son magli très fort sous ça. Parce que nous avons une mission. Nous pas jamais faire back nous-mêmes. Et nous pas peur. Et nous pas lâche. Ok? Nous clair sous question. Pendant le mondial là, Matin Débat a existé. Matin Débat a fait. Parce que pas oublier que la Coupe du Monde, sur le plan politique, c'est un instrument pour les politiciens. Et surtout pour ce gouvernement. Quand pile politicien, il va l'utiliser, surtout le gouvernement, l'a utilisé. Période Coupe du Monde là, justement pour retirer attention population sur les grands dossiers de la nation. Madame, monsieur, ce que vous devez savoir, c'est que pays ça, dans la situation nous est là d'ailleurs, nous sommes au 7 juin 2018, la saison cyclonique a commencé depuis le 1er juin jusqu'au 30 novembre 2018. Pour seulement ça, quoi que je dis, hein, nous avons été très vigilants également, prêter attention à ce qui passe dans la radio. Parce que ça, c'est une période qui peut être très difficile pour Haïti parce que on a annoncé près de 16 cyclones, 16 tempêtes majeures et qui seront très actives sur la région des Caraïbes. Nous ne pouvons pas perdre du temps dans la question mondiale, dans la question Coupe du Monde. D'ailleurs, Haïti parle en Coupe du Monde. Nous n'avons pas équipe qui parle en Coupe du Monde, sauf sélection et U21, U17 là, qui parle en Coupe du Monde. Et ceci, c'est en août. Donc, je dis que Matin Débat,
nous mettre hôtel mon cap voyer message est-ce que n'a pas pour coupe du monde ou pas. Donc émission matin de ban a réaliser madame monsieur du lundi au vendredi de 10h du matin à 1h de l'après-midi. Qui te gagne match Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Russie, Saint-Domingue, eh bien, matin débat nous même n'a pas là pour nous assurer que peuple haïtien dit connaît ça qui passe dans le pays sur le plan politique, sur le plan économique, social et culturel. Et ça c'est ce matin. Bonjour, comment allez-vous monsieur? Ou ca camper devant Brésil? Ah, bah devant mon bac camper mon frère. Ou ca camper devant Golden State? Ça dit mon frère. Ou ca camper devant Golden State? Sac pour deux mon frère. Les bonnes prennent 3-0 là. Sac pour deux mon frère si. Les bonnes prennent 3-0. Ça dit. Ou ca camper devant Golden State? Ça dit mon frère. Sac pour nous, mais matin à tout, joue match Brésil là, par contre, président Cap Mouna Pays. J'aime moi sans blague, les bons, nous gagnons même mon frère. Sac pour nous, mon frère. Est-ce qu'on a campé devant Golden State? Sac pour nous, mon frère. C'est pendant match Brésil, Argentine, Naptan, et puis qu'on président là, Cap Mouna Pays. Nous croyons pas les bas sérieux. Bonjour, Loukou Désir. Bonjour, Pierre Matin à tout. Bonjour, chaque ami auditrice Radio Sa. Bonjour, Zavi. Et matin débat. Bonjour, Pierre Matin à tout. Et comme je l'ai dit tantôt, bonjour à chaque ami qui est dans la section communale. Le pays va mal. Et en pile bagaille, j'en ai parlé à Loukou Désir, c'est que la République va mal, très mal. Et je pense que je ne redis là, c'est nous-mêmes qui pouvons bailler le ton en tant que monde qui a pensé et monde qui a analysé en profondeur et tout ensemble de problèmes pays ça. Et Loukou, l'armée a campé. Vas-y, campé. L'armée d'Haïti, campé. Comment campé là? Campé en un seul homme. On est là du campé en un seul homme. Ok. L'armée a campé. Oui. Nous sommes quartier général là, moi-même. Ouais, ouais, c'est. Moi, débarqué quartier général. Garçon! En dans la cour quartier général, monde qui connaît ancien quartier général, qui était ministère communication à culture, culture à communication, je voulais dire qu'il vient quartier général. Organisation totale. Garçon! Envahi! Tigre moun avec un monde nommé. Nèg qui t'a supposé en pension avec un monde nommé. Tout nèg ça intégré. Ah, Loukou Désir, bah était chargé. Nèg avec feuille, bah quand racheter, feuille nommé, feuille de renseignement. Feuille de renseignement, elle me garder moi, il écrit nom, prénom et adresse et ancienne compagnie, dernière compagnie au TIA, grade, date de naissance, téléphone. Et puis on mettait même information ça. L'information du là dans trois parties, il y a dit lycée trois parties en page là. Ça veut dire que faut au moins reconnaître deux mounes pour bailler renseignement sur deux mounes qui étaient dans même promotion avant ou bien qui étaient dans même compagnie avant qui étaient dans l'armée que on connaît. Donc de vous bailler même information ça. De vous bailler le chef. Bon ça c'est non. Bon par contre c'est le chef non mais ça ça m'a dit ça a information que même vérifier. Mais qui sont ouais, qui sont dans la cour. Ça c'est m'a dit avant où il vient dans ça moi dans la cour. C'est que l'armée a n'est pas archive. Archive là, il est dans le département d'État américain. Il est au Pentagone actuellement. Comment est-ce que c'est? Archive là, l'armée d'Haïti, il n'est pas dans le Nègre ici. Par contre, le Nègre ici, il a gagné archive l'armée. Non, mais non. L'armée américaine est débarquée en 1994. Ok, il prend tout archive l'armée d'Haïti. Il y a la belle. Et si on sol, si on officier de haut rang au niveau de l'armée, capable de démentir là. Il prend tout document l'armée. Il prend tout document l'armée. Et ça fait, je veux dire là, qui recrute mon Nègre fait? Ça! D'ailleurs, j'ai fait là, vous connaissez, ou avant m'entraîner la croix. Très bien, très bien. Avant de venir la croix, ça n'est pas fait là. Les suspects, toute activité officielle d'État qui a fait, ils ont fait pour le rendre public. Est-ce là? C'est clair. Est-ce que vous êtes au courant? Non, du tout. Ça, c'est des bails qui ont fait en catimini. Donc, on plan là, on stratégie pour pouvoir mettre sous pied. Okay. Et pas oublier l'armée, selon. Et selon mission l'armée a gagné, okay. L'armée est apolitique. La police mais est apolitique. C'est clair. Donc ça veut dire que qui ça a fait là? Qui ça a fait dans Bachal? Voilà. Mais qui ça a fait? Je dis l'armée Jovenel. Il va apporter. Ah, les politiques. Est-ce que pas gagné l'armée Jovenel? L'armée d'Haïti. Est-ce que il y a un recrutement qui a fait Isaïe César? Ça, moi là, c'est une sorte de. Ça, c'est ça, une sorte d'identification de vrais soldats, de vrais nègres qui étaient dans l'armée. Faut que nous disions que nous venons des nègres qui étaient vraiment des soldats, des anciens officiers de l'armée, mais qui viennent là, je ne veux dire là, pour ta pension. Très bien. C'est ça, nous disons. L'aime pas être dans la cour, c'est que moi, la cour a chargé avec nègres. Pas oublier Loukou Désir, nègres ont plusieurs bases. Ils ont monté plusieurs bases. Sous base que
pour recruter moun pour l'armée. Et base ça yo, gen des nèg qui pas dans l'armée. C'est bien. Qui c'est des mercenaires. Mais qui connent main exam. Et qui très bon dans exam. Ah non, ça c'est très bien. On Guy Philippe c'est un paquet. Très bien. OK. De ça dire nèg qui était mené mouvement contre Jean-Baptiste Aristide là, li pas tout seulement gen nèg l'armée là-dedans. Il y a des mercenaires, des tueurs à gage, ok, et des nègres qui étaient révoqués pour mauvais actes dans l'armée d'Haïti, qui jouent aujourd'hui à la, fait partie de groupe Mounsa Abdoula qui ont été croisés dans la cour. Très bien. Il m'a pas ajouté pour vous, il y a des nègres qui étaient fait faux badge. Ah ouais. Parce donc ça veut dire que aujourd'hui à la, ça moué dans la cour, quartier général là, il est très suspect. Fondou, est-ce que c'est recrutement? Mais en termes de dispositif, est-ce que vous avez un dispositif militaire? Et dans le quartier général, on parle de l'île à matin là. Est-ce que ouais, comme tantôt, ouais, tout nègre. Non, son mouvement. T'as qu'on son mouvement de recrutement. Un mouvement comme si vaille que vaille. On pile nègre. On pile nègre. Okay. On, et puis moi, des soldats avec M1 dans mes yeux. Pas une femme là-dedans. Moi, des femmes qui ont apporté mes gars, des femmes qui ont une chicken nègre. Comment, bah, qu'on est. Femmes qui ont chicken nègre. Whatever. Mais, on, bah, nous, l'armée a pas tellement rien, femme là-dedans. C'était seulement dans l'hôpital général, l'hôpital militaire. C'était y a deux femmes. C'était madame et, c'était y a deux femmes. C'était madame et Prosper Avril, son docteur, on peut parler comme ça. Et avec tes l'autre femme encore. Il n'y a pas de pile femme. On quand tu as 4 femmes dans la vie. Moi, pas de femme dans la vie. Mais moi, 2-3 femmes. Okay. Même si c'est pas être à coup de 3 femmes, quand tu as une chèque. Et moi, machine officielle, quand tu as entré. Ok. Pendant, est-ce que. Et qui n'a pas de état-major, si vous avez une machine officielle, je ne connais pas. Mais parce que je ne suis pas identifié. Nous, nous qui n'avons machine. Ok. Mais seulement, moi, mouvement fait dans la cour. Moi, nèg avec uniforme. À uniforme, non. Nèg exam, non, à uniforme. Ok. Qui coule uniforme? Et kaki. 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 Ok. Yeah. Tigre moun, jeune garçon. Tigre moun, nèg comme si, qui n'a 55, 60 ans. Des anciens. Avec fusil. Des anciens. M1 nan, oui. Ouais, chaque fois, dit M1 nan, ouais, look, ou pas d'un. C'est Samoué, c'est attiré, monsieur. Isaiah a pas tiré attention sur M1. M1 nan, son gros ami. Oui, un gros fusil. Mais, l'un pas de là, mais ou pas de youn. Faut que tu aies dit que ça n'a pas existé ici. Oui, oui. Ouais, qu'on l'a mais retourné. Dans certains commissariats, il y a qui gagne M1. Il y a quelqu'un qui gagne M1. Mais, il n'y a pas grand pile. M1 nan, c'est bon, Sam qui joue. Ça, c'est l'homme qu'on est, Loukou. Ça, c'est l'homme qu'on est comme information. Il y a des gens qui commençaient à déterrer les amis. Oui, des gens qui étaient enterrés quelque part. Qui, au moins, et surveillé pour eux. Dernier mouvement qui était fait, quand ils ont délogé les gens dans deux zones différentes. À savoir, dans Pélig, ils ont délogé agent SWAT, BLTS, BRI, ils ont délogé les gens. Et tout de suite après le mouvement, ils ont délogé les gens. Où est-ce qu'on a fait là? Et après encore, Ouvin Gadoué, le fameux arrêté du CSPN. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Et pas oublier, voilà. Département d'État américain, dire, la Maison Blanche a contrôlé ce qui passe en Haïti. Très bien, très bien. Donc, dans les jours à venir, cagon couille. Écoutez, bon voulez comprendre nos bagages. Bon voulez comprendre nos bagages dans ça Isaïe a dit approche Isaïe. Ça veut dire que pendant ouais gouvernement sorti griffli avec on arrêté officiellement, les motos clair qu'il y a un problème avec la police. Les clair qu'il y a un problème avec la police. Et puis, mais d'après ça Isaïe a faut comprendre. La bonne force là. Bon, alors pour qu'il soit dit que dans les prochains jours, on courir pour ça. Non. Le coup désir, c'est trop suspect. Ça qu'a fait là, livré dit un bagage, le coup désir. Eh bien, non, c'est certain. Ça, non, m'a dit, c'est bien côté mal calculé. Si vous pensez, vous êtes capable de mener un mouvement sous base pour affaiblir la police nationale, vous êtes bien côté mal calculé. Non, mais écoutez, si ça qu'a fait là, c'est dans l'idée ça. Mieux dit, parce que nous-mêmes, nous sommes toujours anticipés. La police, c'est la police. On a questionné, nous. Esaïe, la police, c'est la police. L'armée, c'est l'armée. Ouais. Ok, donc c'est deux. Non, c'est peut-être qu'on est okay. Faire maladroit, de façon maladroite. Elle dit, on est maintenant tête, bon, et nous-mêmes, nous mettons la main, nous camper. Mais écoutez, Zahir, pas oublier que nous tous disons que nous sommes en train de débattre une bataille entre l'exécutif et le recommandement de la police. Le recommandement de la police. Ça, c'est clair, pas une mot là-dedans. D'ailleurs, les gens qui sont antigens et pas fin trop croire dans l'analyse que nous avons fait. Oui, parce que vous voulez mettre des. Vous mettez besoin de mettre.
la police sous compte néglamé. C'est clair. On est un paquet néglamé qui est dans la police. Maintenant, la question que l'on a supposé, c'est qui j'ai mariage, ça va le fait. C'est pas oublier que, et après 1915, l'armée et la police étaient en seul. Après 1915, l'armée et la police étaient en seul. Maintenant, je dis, vous venez censé deux entités. Il y a la police qui vient presque 17 à 18 000 policiers. Et l'armée, je dis, là, 15 000 policiers. Et où vient l'armée là qui est au stade embryonnaire. Maintenant, justement. Seulement est réduit à 7 000. Justement. Et il faut regarder la loi à tout. OK? Loi sous l'armée avec la police en tout. Il faut regarder. Parce que après 1915, c'était une seule aldé, c'était une seule entité. Non, mais ça, il ne faut pas gagner la police. Maintenant, ça, c'est pas de gagner la police. Oui. Maintenant, je dis en tout, et M. Fortune est d'accord que. Dans la bataille qui est entre exécutif là, avec haut état-major, la police là. Écoutez, imbécile qui baille, soit qui va prendre. Il est de bon ton, de bonne guerre, que le président Jovenel Moïse, il sécurise tête par le trou. Parce que si d'ailleurs, écoutez, la police, et le président donc, de la République, écoutez, il faut qu'il conteste son force tout. Maintenant, renforcer l'armée, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut le bien faire, pas oublier le campagne, il te dit, je suis institutionnel. C'est bien, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, c'est qui Jean. Donc, que la peut renforcer la mesa. C'est là la question. Alors, ce que Isaïe dit là, dans des marches, sous ça, on est pratiquement dans le quartier général de l'armée, hein, et il estime que Genebaï a fait en Bachal, Genebaï a fait en Katimini. Et ça que nous sommes d'accord avec lui, nous tous nous sommes d'accord avec lui, c'est que, justement, les archives de l'armée, ok, d'Haïti, il n'y a pas en Haïti, d'ailleurs, nous pas d'archives. Justement, parce que, en 1994, avec l'arrivée des troupes américaines, nous connaissons que était pratiquement, prend tout ça que l'armée a été gagné. Même tank et même ZAM, tout dossier, tout archive, tout ça y est. Non, mais on a parlé à la madame, monsieur, donc le département d'État. En tout cas, c'est un dossier à suivre, mais il est certain également que nous pouvons attendre que l'armée a ouvert un cahier d'enregistrement. Est-ce qu'on y a un recrutement qui a fait dans l'armée? Qui j'en a fait? Ça est extrêmement important. Parce que toute bataille, opposition, t'a fait avec le président Jovenel Moïse, là. C'est pour le pata lui-même personnellement gagner une armée Jovenel, une armée rose, une armée PHTK. Mais il gagne déjà. Non, mais écoutez, il gagne déjà, mais écoutez, il est très important. Donc, c'est un petit matin. Nous ne pouvons pas quitter le fait comme ça, non, bien matin, tout. Oui, mais il gagne déjà. Parce que nous ne pouvons pas tourner une armée qui est au service d'un seul homme, une armée qui est au service d'un gouvernement, et puis une armée qui est sur nous. Le président Jovenel, premier bagage, il est reconnaissant envers le président Jovenel. C'est grâce à le président Jovenel. C'est un recrutement pour nous regarder. Maintenant, est-ce que y a un recrutement qui a fait là, dans mon appareil là, pour l'armée d'Haïti? Et recrutement ça, sous qui base qui a fait, et qui est-ce qui recommande le monde qui a recruté? C'est ça, oui. C'est longtemps dans l'armée. Ça fait l'armée côté ou avec une dégaine. Parce que le recrutement qui était fait dans l'armée, il était fait son base élitiste. C'est-à-dire, c'est monsieur Intel, c'est référence Intel, donc il te mettait moun pratiquement dans la mer. Et je dis, parce que tout problème non, il a posé à partir de recrutement. En tout cas, nous, dans l'émission Matin Débat, nous allons prendre une nationale là, et puis ensuite, tout de suite après, nous allons prendre une pause, et après la pause, nous allons regarder qui grand point que nous allons faire débat sur eux. Jeudi 7 juin 2018 là, dans l'émission Matin Débat.